comprends. Nabil Smithy, tu es le porte-parole le collectif de 31 mai contre la circulaire Guéant. Ok, alors circulaire Guéant, je connais la circulaire Guéant, Nabil. Alors une circulaire, déjà, le principe de là, c'est rappeler la loi. Normalement, c'est ça le principe. Et il y a beaucoup de gens qui sont étonnés de savoir qu'en France, il y a des lois qui sont faites pour les étrangers, qui donnent des droits aux étrangers. Cette circulaire, en fait, elle est parue pour aller un peu à l'encontre de cette loi et pour limiter, si ce n'est interdire, le permis de travail aux diplômés étrangers qui ont été formés en France, non ressortissants de l'Union européenne, dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marocains, les Marocains étant le contingent d'étudiants le plus important. Ok, donc les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, même il y a des Canadiens, même des Américains, des Japonais, des Chinois. Voilà. Ok, et surtout qu'il faut savoir que normalement, les formations à l'étranger, pour juste confirmer ton diplôme, parce qu'un diplôme sans expérience juste après. Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de la revendication du collectif. C'est quand on a un diplôme, c'est un bout de papier. Il est estampillé université, école et une spécialisation, mais il vaut rien. Il vaut rien. D'ailleurs, les patrons marocains, quand tu discutes avec eux, ils te le disent. Ils disent, nous, on aime bien quand vous êtes formé à l'étranger, mais on préfère quand vous avez eu une première expérience professionnelle. Djibo ma'akoum haja concrète. Il leur a dit, t'as une valeur ajoutée. Et ce qui est encore plus intéressant, parce que ça, c'est notre point de vue. On peut très bien dire c'est un point de vue. Pour regarder la loi du 24 juillet 2006, donc, que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Cette loi, elle-même, elle précise que pour nos pays d'origine, c'est important que ces cadres formés en France acquièrent une première expérience professionnelle. C'est déjà reconnu par la loi qui a été votée par ce même gouvernement. Comme si tu te regardais dans un miroir et que le miroir ne renvoyait pas ta propre image, quelque part. 100% Hit. Hit Radio.